Salut tout le monde les amis c'est Zero, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo voilà, un peu spéciale, qui change de d'habitude Vous allez vous dire, mais Ziro c'est un peu une vidéo comme une FS News Oui, mais non, aujourd'hui les amis, vidéo spéciale euh, DLC Nous allons parler des DLC qui sortiront prochainement Surtout un qui sortira cette semaine les amis Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo Ça fait deux fois un show de ces vidéos, je l'avais donné hier soir et là j'ai ton deux suites il est 15h31, la vidéo m'a pas plu, le montage était fait, la vidéo était sur Youtube et c'était... je n'ai pas du tout, j'aimais pas du tout du coup les gars je la refais N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et on est parti les amis Aujourd'hui nous allons parler de deux nouveaux DLC qui vont arriver sur FS19, donc deux nouveaux Entre parenthèses c'est de la reconversion du 17 Mais franchement c'est vraiment un DLC qui avait beaucoup plu à la communauté, voilà donc, franchement, j'espère que ça vous plaira. Donc, le premier DLC qu'on parlera, les amis, ce sera le DLC Straw Donc, le DLC de la paille. Je vous expliquerai tout en détail après. Et le deuxième DLC, ça sera le DLC Orch qui sortira cette semaine, les amis. Voilà. En partenariat vers Vertex Modding et du coup Farming Simulator, ils ont réussi à faire un partenariat pour que Vertex et son équipe, tout simplement, modifient et reconvertissent le DLC euh, Orch qui était sorti l'année dernière gratuitement sur console et PC. Voilà. Je vous mets la scène, les amis, et on est parti. Scène, jeu, voilà. J'espère que vous allez bien. Le petit pull, family. Voilà, n'hésitez pas à aller en acheter. Si vous le souhaitez, si vous, si vous avez assez d'argent, d'en acheter euh, sur la boutique stervio.fr. Les gars, il y a des mugs, il y a des polos, il y a le tout. Donc si vous kiffez, n'hésitez pas, tout simplement. Et puis voilà, les amis, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors là, les amis, j'étais sur un. Euh, sur un forum donc, qui s'appelle Der LS Trafpunt, dont je ne connaissais pas du tout. Toutes les sources seront en description en parlant de ça. Donc attendez, parce que là je gueule dans le micro, mais faut tellement j'arrête de gueuler un peu, s'il te plaît, euh, Zero. Euh, tout est bon, voilà. Donc je vais pas trop gueuler parce que bon, je vois que l'OBS il est rouge, à hein, mort, à hein, mort. Et du coup, euh, je vous mettrai toutes les sources en description. Donc Der LS Trafpunt, qui est un, euh, un, un forum, un site un peu allemand sur toutes les news euh, de FS. Donc voilà, là, les news sont de FS19. Donc l'admin, voire le chef du, du forum, du site, a pu poster euh, quel, un petit post assez sympa euh, concernant euh, le, euh, le DLC Straw donc le, le DLC Paille. Il a mis quelques photos. Donc ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes, je pense. Il était un peu annoncé, mais je pense qu'il y aura une reconversion. Mais est-ce que ce sera vraiment de suite Ce que je ne pense pas. Donc on va en parler les amis. Donc c'est marqué. Euh, il y aura une nouvelle version du module. Donc du mode complémentaire Stro Recovery. Donc bien sûr c'est du Stro Harvest. C'est un peu de l'allemand mal reconverti. J'ai fait juste clic droit et j'ai mis traduire en français. Ensuite, du coup, pour Farming Simulator. Et oui, c'est bien FS9, c'est marqué pour le LS19. Donc pour FS19. Ensuite, c'est marqué, l'ADD One a été adapté au LS 2019 dans lequel certaines machines et fonctions seront renouvelées. Donc ça veut dire que dans le DLC, les gars, le DLC va aller 17,99€ s'il ne me trompe pas en 2018, donc sur Farming Station 17. Et maintenant s'il y a des choses qui ont été enlevées Et bien sûr c'est un peu dommage qu'ils mettent payant Parce que bien sûr sur le 2017 sur le FS17 euh, le jeu avait euh, le, le DLC simplement avait fuité quelques jours après sa sortie officielle Et euh, le DLC s'est retrouvé en mode etc partout Et franchement il y avait beaucoup de monde qui l'avait installé en mode Et il y avait aussi beaucoup de monde qui l'avait euh, simplement téléchargé donc voilà, qu et euh, euh, qu'il avait acheté, tout simplement. Donc franchement, euh, s'ils le mettent vers 5-6 euros, le DLC, ça ira. Mais bien sûr, s'ils si le font gratuit aussi, ça serait assez sympa. Mais il ne faudrait pas qu'ils le mettent payant au même prix que euh, le DLC et sur le 17, alors qu'il sera sûrement moins complet. Voilà, ce serait euh, débile. Bon les gars si je redis encore une fois des allergies je suis vraiment désolé euh, C'est comme ça j'ai de vraiment faire mon mieux, Mais si euh, je fais pas euh, ça je peine à respirer Donc voilà Je suis vraiment désolé euh, Du coup les amis Je vous mets les petites photos qu'il y aura Donc euh, des machines seront renouvelées Donc là on est sur Donc c'est que du Krone les gars la marque c'est spécialité Krone Donc là ce qu'on a du coup c'est la presse à balleron Donc il y a que trois photos Mais après on ira sur un autre site qui est celui-là pour voir un peu les détails de tout ce qu'il y avait sur le 17, on ira voir ça après. Donc, là, les amis, euh, on est déjà à 5 minutes, c'est affolant. Straw donc la machine, on pourra l'acheter 80, euh, 80 700 euros. Donc, c'est un peu les mêmes prix que le 17. Hein. C'est toutes les mêmes configurations que le 17. Donc, prix d'achat euh, 80 700 euros euh, pour la location, donc la maintenance par jour, 110 euros. Et bien sûr, il euh, faudra quand même un, un tracteur dans une catégorie moyenne ou grande pour l'attirer parce que c'est vrai que pour tirer une presse comme ça, un tracteur de catégorie euh, petit, je sais pas du tout si ça marchera. Donc voilà, là les gars, euh, en action, etc., quand la, quand la machine sera activée, etc., euh, elle roulera à 20 km à l'heure. Donc ce qui est pas mal, euh, les balles, donc les balles feront 110 sur du 180 cm, donc du 1 m10 sur du 1 m80, donc 1 m80 de largeur si je ne me trompe pas, et euh, 1 m10 de longueur donc de hauteur voilà tout simplement et ensuite les amis on a les types de filets si je me trompe pas c'est ça donc là c'est le manuel of or automatique bail net refilling donc là si je me trompe pas les gars pour ces bottes là il y aura que des filets il y aura que des filets à voir plus prochainement si on verra ça tout à l'heure les amis sur le petit euh, sur la petit sur le petit site euh, des descriptifs de tous les modes euh, ce qu'il y a eu dans le dlc on verra ça après voilà Ensuite, les amis, on a une deuxième presse. Donc là, la presse, la presse Chrome, tout simplement, euh, du DLC 3 Harvest. Donc là, c'est la presse carrée. Donc elle coûtera quand même 319 000 euros. Donc ce qui est extrêmement cher, les gars. Ce qui est extrêmement cher. Donc c'est vrai que c'est assez cher. Euh, donc là du coup, tout simplement pour les balles carrées, il y aura de la ficelle. Ce sera que compatible ficelle. Donc comme sur le disait là, c je fais vraiment un peu cette vidéo pour vous informer les DLC et surtout pour les gens qui seraient qui ne seraient pas forcément de trop, les nouveaux joueurs, etc. Voilà. Donc, les amis, tout simplement, là, le manuel or automatique belt Twain refline Donc, en fait, c'est euh, juste les ficelles. Donc, les ficelles bleues, parce que maintenant, il y a, bah, depuis quand même beaucoup d'années, il y a plusieurs types pour attacher les bottes de foin, les bottes de paille, ça, tout ce que vous voulez. Il y a du coup, surtout pour les bottes rondes, il y a les filets, les filets, voilà, et les ficelles bleues. Et bien sûr, que pour les balles carrées, il n'y a que les ficelles. Voilà, pour les... il n'y a aucun filet à mettre sur les balles carrées. Ouais, c'est d'accord, c'est logique. Donc, voilà. Après, les gars, vous dites-moi si en commentaire si vous avez d'autres solutions pour attacher vos balles, etc. Si vos parents mettent d'autres solutions ou pas, on verra ça, je vous répondrai. Et puis voilà. Du coup, après, bien sûr, balles collector, attacheur, etc. Et Est-ce que vous allez voir un truc sympa Troisième photo, dernière photo, cette machine-là est vraiment sympa. On pourra, en fait, c'est un ramasse, une ramasseuse à balles, on pourra mettre trois balles maximum dessus, donc Que ce soit des balles. Carré, voilà 29 580 euros, donc on va dire 30 000 euros pour l'achat immédiat et en location ça vaudra 110 euros par jour. Et c'est marqué Chrome HDP <coughs> HDP 2, pardon. Necessary donc le HDP 2, c'est euh, la presse celle-là. Donc en fait, on pourra attacher. Simplement cette presse à cette presse euh, chrome à mal carré à euh, la ramasseuse automatique juste derrière, donc en fait les bottes carrées sortiront directement d'ici pour ensuite arriver euh, euh, sur cette machine assez complète et assez magnifique, je trouve. Donc on aura juste à la descendre, et bien sûr, les bottes descendront toutes seules dessus. Euh... Ça fera trois bottes, Voilà. Bon, du coup, les amis, après, beaucoup de personnes savent. Hein, beaucoup de personnes savent. Donc, je fais une vidéo pour les gens aussi. Parce que moi, ça, j'avais le DLC, mais j'ai pas joué beaucoup. Donc, vrai que pour moi, c'est vraiment une nouvelle chose. Pas vous le cacher, j'ai dû faire deux trois lives, 2 trois vidéos, etc. au dessus à l'époque. Mais ça, je n'ai pas fait euh, beaucoup. Voilà. Les amis, du coup, maintenant, euh, on est sur un autre euh, site, un autre forum qui est le Creative Mesh. Euh, non. Euh, qui est un autre site, ouais c'est je sais pas c'est quoi je pense c'est Creative Image Voilà de toute façon, je vous mettrai les sources en description les gars Si vous voulez aller checker ça euh, Vous pouvez donc voilà Quand le DLC est sorti sur FS17 donc le DLC Straw Harvest euh, Le site avait mis toutes les catégories donc toutes les spécificités Tout simplement euh, du DLC tout ce qu'il y avait comme gamme de de, maté de, de matériel tout simplement Tout ce qu'il y avait, les trucs Et là franchement je trouve que c'est vraiment un DLC hyper complet J'avais vraiment jamais vu Mais c'était vraiment un DLC hyper complet Donc la première machine les gars, ça je l'avais jamais utilisé Soit dans le FHZ ou autre En fait c'est une machine pour les granulés Donc ça, ça remplace simplement la presse les amis Ça remplace la presse Donc c'est vraiment un truc sympa vous allez voir C'est vraiment une nouvelle méthode de travailler Donc en fait les amis, je vais faire un clic droit Traduire en français, je suis nu en anglais Donc cette machine là en fait les amis, c'est une machine pour faire les granulés donc en fait euh, Vous avez un petit une petite ramasseuse en dessous comme les presses Donc en, ça va vous faire vos andins Et en fait quand vous allez passer cette machine là sur vos andins tout simplement Et bah ça des andins de foin ou de paille Et bah ça euh, sortira en granulé grâce à ce petit broyeur qui a euh, Dedans, donc là il y a la ramasseuse, ça arrive en andin, ça broie tout, et là ensuite il y a un petit tuyau qui arrive euh, et qui transversera euh, les andins de paille, donc euh, ça sera transformé en granulé, donc ça arrivera dans ce petit bac là, et je trouve vraiment ça assez sympa. Donc c'est là une machine qui vaut hyper cher, hein, je souligne là, 280 000 euros, et c'est vrai que ça vaut quand même hyper cher, donc il faudra quand même un, un tracteur de 350 chevaux, voilà, donc là les gars. Pour des machines comme ça, c'est vrai que des, des tracteurs dans la catégorie moyen ou petite, ça ne passera jamais. Voilà. voilà. Ensuite, euh, du coup, ensuite, les amis, on est avec une presse à balles ronde. Donc, on l'a vu tout à l'heure. On va vite passer ces trois euh, modes-là qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, là, bien sûr, donc, euh, la crône Comprima fabrique des presses d'un mètre de 110 à 180 cm. Donc, 1m10 x 1m80. Euh, 80 chevaux pour la tirer, donc voilà un putre de catégorie moyenne. Ça passera très bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, ici, les gars, la presse à balles carrées. Donc, la Krone Big Pack 1990 HDP2 nous permet de fabriquer les balles carrées avec du gras, du foin, et du gras. Donc, là, le gras, je pense que c'est marqué. Euh, deux fois du gras, hein, faut juste supprimer, c'est la relecture, je pense, des, des modérateurs qui ont pas fait, sont, ils ont pas dû faire exprès, euh, ensuite, voilà, ça vaut quand même, ça, le DLC, franchement, les gars, il, il est cool, mais il est vraiment, les prix dans le jeu, c'est abusé, les prix, ça vaut hyper cher, la après, ça vaut 319 000 euros, quand même, c'est hyper cher, et là, valait combien 319 000, ok, d'accord, pareil, du coup, voilà, 319 000 euros, les amis, et 258 chevaux pour la... Euh, tirer simplement avec euh, 258 chevaux, mais euh, si vous voulez mettre à côté le bal collect qui est ici euh, qu'on pourra attacher derrière donc cette machine là quand même il euh, y a même pas de choses pour la tirer Mais non mais du coup ce sera bon vous attachez euh, la presse carrée à ça voilà la chargeuse et il faudra un tracteur de au minimum 258 chevaux pour tirer la presse et aussi tirer euh, la ramasseuse derrière voilà je trouve ça vraiment sympa donc 3 balles carrées pour celle-là voilà ensuite les amis ici il y a le, la déchiqueteuse pour les balles euh, concept donc la fixation du déchiqueteur de balles chrome concept donc franchement tout c'est sympa donc en fait les gars on commence à détruire les, les balles ça va faire du pelé donc ça va faire euh, du pelé donc le pelé je sais pas forcément trop c'est quoi c'est un nouveau type de je sais pas trop pelé c'est quoi c'est ça c'est ça du pelé ah d'accord c'est ça du pelé en fait Mmh, je sais pas du tout, c'est ça les gars. Je crois que c'est ça. Euh, pelé oh, es... C'est ça non Je crois que c'est ça les gars. Donc à vous de me dire si c'est ça. J'ai un sacré doute, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pense que oui, c'est quand on tape pelé. Euh, y a... Ah d'accord D'accord, en fait le pelé c'est pour les, les chaudières. Les... pas les chaudières, les... les poils en fait. Les, ouais, les trucs, Vous savez les nouveaux trucs là. Les poils en, bo... les... Les poils en bois, je sais pas trop quoi. C'est un peu comme dans les cheminées en fait. On peut mettre ça et en fait ça remplace le bois en fait. D'accord, ok. D'accord. Euh, du coup chez les amis on a ici euh, une, une fourche, simplement une pince. Donc il y a plusieurs catégories de pinces. Ici on a la plus petite. Donc cette machine là, on pourra mettre 3 balles carrées l'une après l'autre dessus. Donc on pourra, vous voulez, vous rencontrez les gars, 3 balles carrées cette machine, cette pince là. Donc je pense que derrière il faudra quand même une belle masse pour pas que ça penche, voilà, ensuite les amis, on a encore plus gros, on a la pince qui pourra aller jusqu'à 5 balles, donc on a la plus grosse juste ici, euh, ensuite on a une autre pince, donc une plus petite, donc la pince un balle verticale vous permet de, so... de... de saisir 3 balles carrées empilées, donc 1, 2 et 3 empilées, euh, elle comporte également des fourches supplémentaires, voilà, et là les gars on a vraiment euh, des trucs intéressants, donc ici on a un hangar, donc l'hangar est fourni dans le DLC, c'est un hall de production en fait pour fabriquer euh, le pelé, et aussi euh, pour stocker le pelé en vague dans des bunkers extensibles, voilà, donc ça c'est vraiment, je l'avais testé cette interview, et en parlant de ça les gars, juste à côté, euh, il y a une petite grue, ça un une grue du coup jaune, euh, qui servira à utiliser pour remplir euh, les pâtisseurs avec des pelés provenant des bunkers, donc ça en fait les amis ça sera pour aller euh, pour remplir les pas les avec des pellets simplement voilà donc c'est vraiment un hangar hyper complet les gars euh, ensuite les amis ici on a euh, un autre position à pas donc voilà le palletiseur qui sera directement euh, intégré je pense dans le hall donc le en emballe les granulés et les dépose automatiquement sur des palettes donc voilà je trouve ça quand même assez sympathique. J'espère que c'est intégré dans le hall, Je me rappelle plus du tout. Je pense que oui, c'est intégré dans le hall, tout simplement. Et ça, franch, franch, franchement, je trouve que le bâtiment, il doit être euh, il doit être bien euh, hyper complet. Il doit avoir beaucoup de détails dedans. Ensuite, les amis, on est déjà à 14 minutes, 15 minutes, après ça passe hyper vite. On a le point de vente. Donc en fait dans le DLC il est hyper complet les gars. Le DLC en fait dedans il y a aussi le point de vente pour euh, être placé librement sur la carte. Donc ça à vous. De le choisir où vous voulez le mettre. Ici, vous pouvez vendre les euh, palettes de granulés. Donc, avec cette machine-là, c'est un point de vente. Où vous pouvez vendre simplement vos palettes de granulés. Voilà, c'est un point de vente comme euh, dans l'agriculture, dans le jeu. Ici, les amis, on a des palettes de mélasse. Donc, pour fonctionner parfaitement par temps sec, la crone ça a besoin de mélasse. Voilà. Pour pas que les pelés se désintègrent. Voilà. Ensuite, les amis, à côté, on a les palettes de filet. Donc, pour euh, les balles rondes, voilà. Et ici, les amis, en dessous, on a euh, le pack de ficelles pour les balles carrées euh, et rondes. Voilà. Ici, on a le pack de ficelles pour les balles carrées et rondes. Voilà, les amis. Bon, la vidéo n'est pas finie. On a encore un DLC, les gars, qui sortira cette semaine. Le DLC Orch, les amis, a été annoncé par Focus, donc Farming Simulator 2019. Et euh, a été aussi annoncé par Vertex. Donc euh, Vertex faisait aussi des mods pour eux. Donc franchement, c'est vraiment une très très belle équipe. Et voilà, ils ont annoncé qu'ils allaient reconvertir le petit DLC euh, qu'on avait eu, le Orch, sur FS17. Donc franchement, c'était quand même un très bon DLC à part la marque que j'étais pas fan. Donc voilà, les amis. Euh, ce qu'on aura dans le DLC, donc vraiment un DLC hyper complet. Donc on aura un pulvérisateur, on aura des semoirs, des déchômeurs. Euh, on aura aussi cette machine là. Donc les gars, en fait, vous savez, cette machine, on, a, on utilise beaucoup dans les, euh, les Américains, utilisent ça, les Allemands, etc. Dans les vraiment les gros pays. En fait, les gars, on peut vider notre trémie de la moise batte. On ouvre notre buse. Et ça, maintenant, on l'a sur fs cette machine là. Et en fait, on pourra simplement euh, vider ça dedans. Et ensuite, avec ce bras là, c'est un tuyau, ça s'ouvre. Et ça aussi ça pourra aussi vider dans la bête Donc ça fait plus réel. Ensuite on a une tonne à eau. On a... Euh, c'est quoi d'autre On a quoi d'autre C'est... Euh, on a des très très gros semois les gars. Des très 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 gros déchaumeurs. On a vraiment un pack complet. Donc on a vraiment de tout les gars. Donc c'est vraiment aussi un pack... Euh, c'est vraiment du gros matos. Voilà. Donc, les amis, maintenant, euh, l'autre photo, si vous voulez voir un peu le pulvérisateur de plus près, bah voilà, c'est juste là. Si vous voulez le voir, il est comme assez bien fait. Déjà sur le 17, il était quand même bien fait, donc sur le 19, il ne faudra pas s'inquiéter. Voilà. Les amis, maintenant, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie de Vertex il y a quelques jours. Donc, le 12, on est le 15, donc ça fait euh, 3-4 jours. Donc, ça va. Donc, les amis, ici, il y a une vidéo de Vertex, je vous la mets directement en direct. Euh, voilà, une petite vidéo qui présente la map, etc. La map, franchement. Moi je n'étais pas fan, je vais vous dire pourquoi. Euh, les champs sont hyper grands. Les champs sont hyper grands. C'est vraiment les maps euh, américaines, etc. Et c'est vraiment des, des maps hyper grandes. Les champs sont immenses. Font 20 hectares, 25 hectares. Et c'est immense, quoi. Voilà. Et franchement, je trouve c'était un peu chaud euh, de voir. C'était un peu chaud, mais bien sûr, ne vous dites pas. Que vous êtes obligé de jouer avec le DLC sur la map. Vous pouvez aller par exemple sur Rollstream et jouer avec le DLC. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller euh, de dire, vous vous dites, oh bah non vu que, vu que je joue avec le DLC, je suis obligé de jouer sur la map du DLC Orch. Non, du tout. Vous n'êtes pas obligé, les gars. Euh, tout simplement, vous pouvez jouer avec le DLC Orch sur euh, d'autres maps. Tout simplement, voilà. Donc voilà les gars, un DLC quand même assez sympa, donc ça rajoute un plus, et puis déjà le point positif c'est qu'il est gratuit, il a toujours été gratuit, et il restera gratuit, sur le 17 il était gratuit, sur le 19 il sera aussi gratuit, et c'est normal parce que c'est quand même une reconversion, donc c'est quand même logique, euh, du coup les gars je voulais faire voir un peu les champs, comment ça se passait après on s'arrête très loin est déjà 18 minutes de vidéo les gars. Euh, attendez. Alors voilà. Là les gars, voilà. Là on peut apercevoir direct. Donc à notre gauche c'est un champ de blé ou d'or. Je vois pas trop. Euh, on peut voir que le champ est énorme. Et là à notre droite, donc juste devant nous, on a euh, la petite prairie qui est ici. Même vous avez... Il y a 4-5 arbres. Il y en a même un là qui cache un peu la prairie. Mais c'est vrai que la prairie va, va hyper loin les gars. Elle va de là. a fait tout le tour du chemin de fer jusqu'au bâtiment. Là-bas. C'est impressionnant. Et ensuite elle va tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. Et ensuite elle va là. Donc voilà, pour les... Sauf nous les Français, hein, on n'aime pas trop ces types de map là, les gars. Euh, les ma... Tant que nous, il n'y a pas nos campagnes, etc. Les champs vallonnés, etc. Le petit matos. Des petits et etc. Nous ça nous va pas, c'est sûr. Mais euh, y a... vous allez voir, c'est une map franchement que j'adhère pas forcément de trop. Voilà, ici les gars, on a un champ de tournesol immense. C'est immense, les gars, donc le tournesol est grillé, mais il est immense le champ. Donc c'est vrai qu'on doit vite s'ennuyer, les gars. Quand on tombe sur un champ comme ça en vidéo ou en live, vous mettez juste le petit régulateur de vitesse. Et je pense que vous pouvez dormir pendant 4h30 à peu près. Tant de faire la longueur. Non, je mais c'est c'est un UMAP euh, allemand, je sais pas trop quoi. Et du coup, c'est vraiment des champs énormes parce que dans leur pays, c'est vraiment des champs euh, énormes. Voilà, simplement. Bon, du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, les amis. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je vais juste enlever ça. Voilà, c'était Ziro les amis. Je vous fais un maximum de bisous. N'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu et à vous abonner. Je vous remercie pour les 18 500 abonnés qu'on a passés aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de 40 abonnés dès le matin. J'ai pas trop compris, tu vois. Les amis, c'était Ziro. Je vous fais un maximum de bisous. N'hésitez pas à liker et même à commenter. Si vous voulez être resté à la fin, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis, du coup, voilà, c'était Ziro les amis. Je vous fais un maximum de bisous. Allez, ciao tout le monde. Bisous les gars.